Et salut tout le monde, c'est Canou. On se retrouve aujourd'hui pour Nostalgie, qui on se retrouve sur Hitman Blood Money. Et on arrive, les amis, sur la fin. On arrive sur la fin, c'est l'avant-dernière mission, même si la dernière, enfin l'autre, c'est pas vraiment une mission. Mais vous verrez bien. Et on arrive sur la fin. Alors il faut attendre. Alors moi je le fais avec lui parce que j'ai beaucoup plus d'aisance à le faire avec lui. Normalement vous pouvez le faire avec le mec qui est aux toilettes. Hop, c'est comme le petit poussé. Allez, suis-moi. Ah oui, là c'est très bien ce que tu fais. On va attendre, on va le refaire encore une fois, il va la partir. Voilà. Hop là, là il est dedans. Et voilà. On prend le costume. Et on prend l'arme, parce que moi vu que j'ai pris un silencieux, autant que j'ai l'arme. Pour pas me faire repérer quand je vais sonner. Excuse-moi, j'étais parti pisser, ils ont besoin de moi, hein. Je pars là-bas. A plus mec. Et ça voilà, je peux sonner et ça passe inaperçu vu que bah, je suis un des soldats, c'est assez logique. Assez logique. Hop. On va venir chercher la petite carte qui est ici. Alors, je vais pas vous mentir, hein, je connais énormément cette mission pour l'avoir échoué plein de fois. Mais énormément, toujours pour des conneries, hein, vraiment. Les dernières missions comme ça, souvent, c'est pour des conneries. Parce qu'en soi, cette mission n'est pas la plus dure pour tuer la cible. Mais comme il y a un autre garde du corps méchant, enfin un autre assassin, qui peut one-shotter parce qu'il est très fort, ça c'est chiant. Ça c'est grave chiant. Mais sinon, ça va. Alors là, on arrive dans une petite phase qui est un petit peu chiante. Parce qu'il faut aussi raccrocher. Quand personne regarde. Là, on a réussi. Daniel, je vous parle. Justice va faire sa promenade. Bonjour, président. Justice attend pour sa promenade. Lui, par contre. Poison. Hop là! Allez immédiatement promener justice! On va le tenter parce que là en fait il y a la meuf qui est en train de dire les phrases pour. Pour qu'il va le promener donc elle peut arriver à tout moment. T'as la porte qui s'est fermée derrière moi, m'a fait flipper. Oh! Bonjour! Bonjour! Au revoir! Oh bordel! La chance qu'on a eue! Oh, on a eu de la chance là. Là vraiment. Alors j'espère ne pas me faire avoir parce que ça m'a l'air d'être la route que j'ai pris avant, mais normalement, non. J'espère ne pas me tromper. On va essayer d'éviter la caméra, hein, si on peut l'esquiver. Voilà, on l'esquive. Souvent j'aime bien endormir lui, ou le buter même. Regardez là-bas, il y a l'ennemi. Et comme il y a des ennemis qui peuvent arriver... Je le suis quand même, on va voir ce qu'on peut faire avec. Mais je suis pas sûr. Je vais pas trop y aller parce que je sais pas si j'ai le droit d'être là. Je vais chercher un autre costume. Que normalement je sais qu'on peut avoir à 100%. Je
il faut monter le grillage. Bon, il y a personne qui vous regarde, hein, bien sûr, tout le temps. Et re les amis. Alors il y en a un qui est sorti, on va s'en occuper tout de suite. J'ai envie de traîner le corps parce que là c'est très très urgent. Il y en a d'autres qui peuvent arriver. Il faut que je l'amène loin. Sans me faire pécho. Et si je me fais pas pécho, on est tranquille, sinon on est dans la merde. La merde de nouilles. Et il pleut bien, il pleut bien. Là, c'est de la bonne pluie comme il faut. On adore. Oh, le goût de la pluie. Bon, ça, bah, on a réussi à le planquer. Hop, on pose le corps ici. On se change. Et voilà, on est un garde. Et on va pouvoir aller s'occuper du dernier. Salut mec, salut collègue. Mais il était pas chauve lui avant. Je sais que tu l'as chauve. Dieu, vous êtes méchant vous hein. Vous êtes donc le célèbre Marc Parcesi, troisième du nom. Ne descendez pas 47, vous et moi, on s'ensemble. Je ne vois pas le rapport. On est presque frères, vous pouvez pas me tuer. Je peux tout faire si je suis payé pour. Alors il nous fait péter forcément. Et là faut lui courir après. Pour empêcher de se barrer. Et alors là c'est là que tout pêche pour moi parce que je sais jamais où il faut aller. Je dirais bien celle-là au bout hein. Oh, je sais pas si j'ai pris la bonne route, hein. Vraiment pour le coup les amis. Poste 3 sous contrôle. Ok, ok. Vous voyez là il m'a déjà mis méga cher. Hein. Vraiment là il m'a mis... Hop là! Faut que j'arrive à lui mettre une tête. Yes! On l'a eu, les amis. Pouf! Elle est compliquée celle-là. Hein. Désolé, mec. Si t'es fait comme moi, je préfère qu'il soit totalement mort. Ah bordel, on a pris méga cher les mecs. On va se mettre une petite dose de adrénaline. Hop, pour reprendre de la vie. Mais ouais, là ça a été... Ouh, assez compliqué. On n'a plus qu'à se barrer maintenant. Alors quelle est la sortie? Exit, c'est où qu'on est arrivé au début. Hein. On est arrivé au début. En soi, rien de compliqué. En train de chercher l'intrus, hein. Il y a un intrus dans le coin. Cherchons-le. Excusez-moi. On cherche l'intrus, hein. Il est où l'intrus? On cherche l'intrus. Oh, vite qu'on se barre d'ici, j'en ai marre de tous les agents. De tous les agents méchants. On dirait un enfant. Les agents méchants. J'aime pas les agents méchants. Alors, bon, on va être tranquille. Là, on est tranquille, à le vrai. Là, on est déjà beaucoup plus tranquille. J'ai passé là. Bon, je crois que j'étais vu. On a vu le sommet de mon crâne. On
Je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais c'est une attaque à la bombe. Puis ici, ils sont tranquilles. Hein. Ici, ils sont vraiment tranquilles, il se passe rien. Pouh, j'en veux plus, moi. Cette mission est... Je l'avais jamais à peu près arrivé autant comme ça. Donc bon. Après, logiquement, je suis un agent secret. C'est normal que j'ai une arme, normalement. Mais bon. Et ça sonne pas, c'est nickel. Toujours plaisir hein, quand ça sonne pas. Ah, t'es venu remplacer le mec d'avant, c'est bien. Hop, on change de tenue. Et on se casse, les amis. Et on se casse, et on a fini cette mission, je suis trop content. Pouf! 46 coups tirés! Bon, on a fait du bruit, mais ça, théoriquement, je pense que je peux pas faire autrement vu que l'autre tire. Mais sinon, en violence, on est à zéro, et ça qui est bon. Et voilà, les amis, je vous laisse avec ceci. Vous pouvez mettre en pause hein, pour lire si ça vous intéresse. Moi, je vous dis à la prochaine. Sûrement, le prochain épisode d'Inman sera le dernier. Ce sera le premier nostalgique de fini. Je suis assez content, mais je suis assez aussi nostalgique parce que bordel, ce jeu va me manquer. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Moi, je vous dis à la prochaine et salut tout le monde !